And we'll start right away because we're pressed for time, obviously. So with Claude Potvin, who will tell us about a project from the Techno-Pedagogical Innovation Hub at University of Sherbrooke, working with Fabrice Reyel, thanks to a donation from BMO to the University of Sherbrooke Foundation. They were able to create an OER to promote student success and motivation with an emphasis on continuous improvement and adaptation. So, Claude, take it away. Merci, Alexandre. Alors, ça me fait plaisir d'être ici pour vous parler d'une expérimentation. C'est un projet qui a été fait dans le cadre de la Fabrique Reyel, auquel je suis associé comme conseiller pédagogique. Je dois dire aujourd'hui que je remplace ma collègue Marianne Dubé, qui a été appelée à participer à une autre présentation initiée par l'UNESCO, justement sur le multilinguisme. On se retrouve un peu comme pour cette présentation-là. Alors, je suis, disons, le partenaire, Marianne et moi, nous sommes un petit peu en symbiose à la Fabrique Reyel. Nous sommes les deux acteurs les plus actifs, disons. Et donc, Marianne coordonne la Fabrique et moi, je suis conseiller pédagogique là, à plein temps sur cette organisation-là, si vous voulez. Alors, le projet Valoriser la production étudiante, c'est dans le cadre d'une collaboration avec l'Université de Sherbrooke. Université de Sherbrooke qui est partenaire, l'un des trois partenaires fondateurs de la Fabrique Reyel, l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval, auquel moi je suis lié, j'ai été prêté à la Fabrique Reyel, et puis il y a l'Université de Montréal aussi qui sont les partenaires fondateurs de la Fabrique Reyel. Donc on se trouve normalement en développement au niveau postsecondaire, donc en formation supérieure, alors que le projet que je vous présente ici, il y a un lien avec le primaire et le secondaire, vous allez voir. Donc c'est dans ce contexte-là que ce projet est présenté. Alors, c'est une présentation qui est elle-même une adaptation selon les habitudes dans les REL. Vous voyez, c'est en CC BY, on l'a adapté la présentation. Alors, commençons par le quoi, le pourquoi et le comment. Donc, je vous parlais de la faculté de l'Université de Sherbrooke. Et c'est un projet de la Faculté des sciences de l'éducation, qui est une initiative de cette faculté-là, dans le cadre d'une initiative du pôle d'innovation pédagogique. C'est-à-dire, c'était une initiative qui a commencé il y a 2-3 ans, où on encourageait justement des projets d'innovation. Et puis, la Fabrique Reyel avait 4 ans d'existence à peu près. L'Université de Sherbrooke est un pionnier dans la Fabrique Reyel. Et donc, il y a une écoute à l'Université de Sherbrooke. On veut faire des choses. La Faculté des sciences d'éducation s'est dit, bien, pourquoi pas profiter de cette initiative-là pour faire un projet à l'intérieur de la faculté même. Alors, profitant d'une bourse de la part d'une organisation, d'une banque, en fait, un 5 000 $ qui avait été donné à l'université, on s'est dit, ben, pourquoi pas faire un projet de réelle étudiante? Alors, l'idée, ça a été de faire des bourses de 1 000 $ qu'on pouvait attribuer, donc 5 bourses, justement pour sensibiliser les futures personnes enseignantes, c'est-à-dire à la formation des maîtres. Et là, quand on parle de formation des maîtres, c'est la formation à la géographie, le français, les mathématiques, dans toutes les disciplines. Et puis, donc, au primaire et au secondaire. Alors, c'est ce public cible-là qui a été envisagé. La partenaire réelle est évidemment un partenaire naturel, puisque dans le contexte que je vous ai expliqué. Donc, le projet pilote a été fait en 2001. On a commencé par une petite animation Jenny Alley pour informer les gens sur le concours lui-même et les modalités de participation. Alors, petite ressource qui a été créée, toujours accessible en CC BY. Toutes nos ressources à la Fabrique Reyel sont en CC BY en passant, et la présentation auquel vous allez pouvoir accéder, vous aurez les liens pour télécharger tout ça. Alors, notre processus dans le déroulement, donc, on commençait par l'information sur le concours. C'était en novembre, c'est pas, ça fait, bon, déjà une couple d'années, mais voilà. Il y a eu une évaluation des projets qui a été faite par la suite. 5 projets ont été retenus. Et vous voyez qu'à partir d'ici, il y a la petite icône qui est celle de la Fabrique Reyel, celle de l'Université de Sherbrooke, celle de la Fabrique Reyel. À partir de là, la Fabrique Reyel a justement participé à l'encadrement des étudiants des différents projets. Donc, se former au Reyel, ça prend du temps, c'est l'expérience de la Fabrique Reyel, c'est certainement votre expérience, c'est pas une culture qui est innée. Il faut prendre le temps d'encadrer nos étudiants, nos participants, nos producteurs, nos créateurs de Reyel. Alors ça, évidemment, ça s'est fait avec... Le
le département d'éducation, la faculté dans son ensemble, et les différents départements et la Fabrique REL. Donc, différentes rencontres, je vous en reparlerai tout à l'heure, et l'accompagnement dans la création par les conseillers, deux conseillers pédagogiques qui étaient associés au projet. Et finalement, le bilan dépôt de la diffusion. Vous savez que la diffusion, quand on parle de REL, c'est un processus un petit peu plus, disons, qui a ses règles avec les métadonnées et trouver un endroit pour le déposer. Donc, voilà le processus. Nous avons à la Fabrique REL un parcours de création qui a été élaboré de façon générique pour l'ensemble de nos activités. Si vous voulez en savoir plus, en passant sur la Fabrique REL, il y a justement une autre présentation, je pense, dans la salle G, à 4 heures cet après-midi, puis on en fait une autre demain à 3 heures, salle, je ne me rappelle plus de l'autre salle, mais on parle demain de l'évolution de la Fabrique. Alors, je vais me concentrer sur ce projet-ci, qui était vraiment une initiative qui s'inspirait des activités de la Fabrique REL. Alors, le processus est le même que le nôtre, il était adapté dans le contexte de production étudiante. On a commencé par, voyez, si je le décris rapidement, donc besoin, recherche, conception, développement, validation, diffusion. Un processus qui ressemble à ADI, pour les personnes qui connaissent, avec des particularités, là, une insistance sur la recherche et une insistance sur la conception. Nous, on suggère de faire une production concentrée sous forme de sprint, par exemple. Alors, puis évidemment, l'étape de diffusion est particulière dans ADI, c'est pas tout à fait présent. Donc, c'est une adaptation de tout ça. Donc, il a été proposé aux étudiants et il y a un cahier de charges qui avait été rédigé dans un premier temps qui expliquait toutes les modalités de ce projet-là. Les résultats. Alors, 5 REL motivantes et engageantes qui ont été développées. Les étudiants sont allés jusqu'au bout. Donc, le petit bonbon à la fin, évidemment, c'était le 1 000 $. Ça a contribué, mais le 1 000 $, ce n'était pas tout. Il y a eu quand même beaucoup de... C'était une démarche qui était appréciée par les étudiants. Les étudiants ont senti que ça servait à quelque chose de faire ce travail-là. Et évidemment, le contexte au Québec, il y a un plan de développement de la compétence numérique là, qui est assez élaboré par le gouvernement, qui a été proposé en 5 dimensions. Et ça rejoint évidemment la compétence de développement de production de matériel, qui est quand même une compétence très, très importante. Et finalement, les étudiants, bien évidemment, ont été sensibilisés aux possibilités du libre à ses retombées. Du côté de la faculté elle-même, bien évidemment, il y a toute la démarche d'encadrement qui n'est pas usuelle, sensibilisation au REL aussi par le personnel étudiant, par les conseillers pédagogiques de la faculté. Alors, ce n'est pas à négliger. Les productions, bien, les voici, les 5. Il y en a 3 au niveau du secondaire, donc jeu d'évasion en physique, secondaire 5. Une essaye en mathématiques, situation d'apprentissage et d'évaluation, en mathématiques secondaire 3. Une autre activité au secondaire, vous connaissez le monsieur ici, donc activité sur les fausses nouvelles. Et on en a une aussi au troisième cycle du primaire, le droit des enfants, activité interdisciplinaire. Finalement, la dernière, c'était en robotique préscolaire. Donc, vous voyez, les domaines assez diversifiés, formation des maîtres dans différentes sphères. Donc, voilà. C'était des productions quand même d'une certaine qualité. Les sondages auprès de nos étudiants par la suite ont tous montré, bon, c'était pas un gros échantillon, évidemment, vous voyez que c'est quand même unanime, à savoir qu'ils étaient très satisfaits de l'expérience au bout du compte. Et même chose aussi, les voyants sont, bon, ici c'est plutôt orangé, donc les voyants sont ouverts dans le sens que tout le monde a considéré que l'expérience leur avait permis de bien comprendre ce qu'est une REL, qu'ils avaient profité de l'accompagnement, qu'ils avaient le goût de diffuser et d'en créer de nouvelles, des REL, et voilà, et de les utiliser par la suite dans leur pratique. Les constats, bien, donc, beaucoup d'apprentissage du côté des personnes étudiantes, fierté, accomplissement, hein, c'est des sentiments qui ont été perçus par les étudiants. Il y a quand même un haut potentiel de réutilisation de ces ressources-là parce que ce sont des thèmes d'actualité. Et on a constaté aussi quand même que la démarche était chronophage pour l'équipe. Faire attention, c'est un petit bémol, à savoir qu'évidemment, c'est une première expérience. Donc, autant, parce qu'il y a eu un accompagnement par une bibliothécaire, par 2 conseillères pédagogiques, c'est un accompagnement individuel dans les projets. Évidemment, la création, pour qui n'a jamais fait de REL, ça prend du temps. Alors, c'est sûr que si c'était à refaire, et puis la faculté pense à le refaire, justement, je pense que la pandémie a...
Tu ralentis les choses, mais ça s'en vient, c'est-à-dire l'idée, c'est de réintégrer ça dans les cours crédités. Alors, à ce moment-là, ce serait un peu moins chronophage, dans le sens que c'est les enseignants eux-mêmes qui accompagneraient la démarche de création de REL. Et puis, on a fait aussi, on a créé un site Moodle complémentaire, un peu plus structuré, qui est réutilisable d'ailleurs, et d'ailleurs, vous pourrez vous-même le télécharger, puisque l'archive, vous aurez le lien dans le document complémentaire. Donc, ce site-là pourrait être récupéré et réutilisé par quiconque. L'idée étant justement de faire un matériel qui soit attractif, vous voyez quand même, avec les icônes et tout ça, et la démarche qui est très bien documentée. C'est les perspectives d'avenir versus ce projet. Voilà. Yeah, good job. There's actually 4 minutes left to the allotted time. Donc, si vous avez des questions, on a des micros ici pour prendre les questions s'il faut. Alors, il y a quelques questions suggérées à l'écran. Est-ce que il y a des initiatives du côté de vos établissements de création de REL, justement? Est-ce que vous pensez que ce serait possible de récupérer ce matériel-là dans vos contextes? Merci beaucoup pour votre présentation. Juste, il y a quelque chose qui m'a échappé par rapport au public cible, en fait. Donc, ce sont des enseignants ou ce sont des étudiants qui vont devenir enseignants? C'est exact, le deuxième. C'est ce qu'on appelle la formation des maîtres, c'est-à-dire oui, des étudiants qui sont actuellement à l'université, qui se forment à être enseignants dans le futur, oui. Merci pour cette précision. Et du coup, j'ai une autre question. Est-ce que maintenant, ces personnes sont diplômées? Est-ce qu'elles sont enseignantes? Et est-ce qu'elles utilisent des REL sur leur terrain d'enseignant? Disons que c'est quand même assez récent, hein, comme vous avez vu. Il y en a quelques-unes qui viennent de diplômer là, tout récemment. Alors, c'est encore trop jeune pour le savoir, on l'espère. Disons qu'effectivement, on n'a pas assez de recul pour pouvoir le déterminer. Mais ce qui est clair, en tout cas, dans nos activités à la Fabrique REL, c'est que les activités ont beaucoup d'impact. À partir du moment où il y a quelques personnes qui ont développé des REL dans un milieu, ça fait boule de neige. C'est vraiment, on parle d'effet pollinisateur. Il y a vraiment quelque chose qui émerge de ces initiatives-là. Ils deviennent des phares pour leur entourage. Et d'autant plus si ce sont des personnes qui sont créatives, qui déjà parlent de leur réalisation. Donc, ouais, on espère. Bonjour. Je ne parle pas français. Could I ask in English or Spanish? English, we'll English, okay. Thank you very much. I work at the University of Leeds, and my students produce open educational resources as part of their course. So they learn about open educational resources. Mm. They design their own project. It's a podcast, and everything has to be shareable so that when they finish the course and they get the mark, if they want, because it is their intellectual property, they can share it responsibly in whatever platform they choose. And now we are designing, in my institution at Leeds, I have designed a guide for the implementation of co-production of OER across the university for those lecturers who want to take on that practice, because we consider it as an essential component of active learning. So it's now an institutional strategy as well. And it works very well. It works very well. Students love producing. It's the best way of ensuring that they feel respected and that they belong to the knowledge production community, which universities should be. Can I ask you a few questions? Yeah, yeah. How many OER have been produced? Or how many are produced a year? I have been doing this since 2012. And I have around 10 students every year. Okay. Not everybody shares the OER, but many students share it. Yeah. Okay. And it's part of the grade? It's part of a course in modern languages and cultures, and it's one of the options that they have for the degree in final year. Okay. Thank you.
Thank you. I can give you my card later and you can check sure, it out. Yeah, sure, I'd be interested. Cheers. But I'm very interested in what you do as well. Mm. Sorry for my poor French. Je suis désolé. Ça. Merci, c'est déjà beaucoup. Peut-être une dernière question pour Claude. Bonjour. Bonjour, je vous remercie pour votre présentation. J'ai une question par rapport à la validation. J'entends par là la validation du contenu de ces ressources éducatives libres. Est-ce qu'elles ont été validées par des experts scientifiquement? Et après, la validation de l'impact pédagogique de l'utilisation de ces ressources. Excellente question. Dans notre processus, je me permets de m'écarter un petit peu parce que nous avons... je m'en vais pas sur la présentation de ma collègue. Sur le site complémentaire, dans notre démarche même, il y a une étape de validation, justement. C'est très important pour nous. En fait, c'est pas évidemment une validation scientifique, c'est une validation par les pairs. Nous, on suggère évidemment que ce soit une validation double, c'est-à-dire par les pairs et par les utilisateurs. Dans le cas des étudiants, ben, ils ont demandé à leurs collègues de valider. Ils ont choisi certains de leurs collègues pour valider la ressource. C'est comme ça dans tous nos processus. Et en général, puisque ce sont des ressources qui s'adressent aux enseignants, on demande aussi à des enseignants en exercice de la valider. Donc, ce n'est pas une validation là, scientifique systématique, mais c'est une validation tout de même qui est nécessaire. Et on a aussi dans des instruments, un instrument qui est présenté qui s'appelle liste de validation avec plusieurs éléments à cocher qui permettent de vérifier, par exemple, la compatibilité des licences. Est-ce que tous les éléments sont présents? Est-ce que les logos, les identifiants sont là, etc.? Pour s'assurer au moins d'un minimum. Évidemment, il n'y a pas... Il n'y a pas d'indice de qualité là, d'ensemble par les pairs, dépendant du moteur de recherche, ou du point de dépôt qu'on utilise, parfois c'est présent. Mais oui, il y a un processus de vérification de la qualité, dans ce cas-ci qui était accompagné aussi, évidemment. Merci beaucoup. Donc, bravo. On peut... Now we'll have...